slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour faire part d'une astuce, d'une nouvelle mission qui va vous rapporter énormément d'RP et énormément d'argent. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 $ et 9 000 RP, ce qui est vraiment énorme. Donc pour cela vous allez aller sur Start en ligne, héberger activité, créé par Rockstar, mission. Et vous allez chercher la mission dernier recours. Donc vous lancez la mission dernier recours qui se débloque au niveau 22 et qui est encore une nouvelle fois une mission de Martin. Donc Martin fait que des merdes en ce moment. Je sais pas ce qui se passe avec ces missions, mais c'est vraiment de la merde. Bah dans le sens où Rockstar en a un peu marre. Donc vous mettez bien la mission en difficile, de toute manière elle est vraiment super simple. Vous la lancez. Excusez-moi de ma voix, je suis vraiment, je suis actuellement malade. Donc vous lancez la mission. Donc vous attendez bien qu'elle se lance et vous mettez bien tout en difficile. Vous mettez les paramètres que vous souhaitez. De toute manière elle est vraiment super simple. Donc voilà. Donc une fois que la mission est lancée, vous allez on va vous demander d'éliminer le procureur. Donc vous demandez votre véhicule personnel et après vous allez éliminer le procureur. Donc moi je vais mettre ça en accéléré parce que la mission est pas très très longue. Mais c'est relativement chiant parce que le personnage, le procureur arrête pas de vouloir se casser. C'est vraiment assez chiant. Donc vous vous dirigez vers le procureur, vous allez l'assassiner, vous allez le buter. Donc vous prenez une voiture de préférence. Attention, il ne faut surtout pas exploser sa voiture car sinon les preuves vont partir et vont être détruites et la mission sera échouée. Donc ne faites surtout pas ça. Donc vous voyez qu'il est vraiment coriace et qu'il est vraiment déterminé pour ne pas donner la mallette. Mais moi j'ai réussi à le tuer. Donc une fois que vous l'avez tué, normalement vous allez récupérer la mallette. Après vous allez avoir une étoile qui va arriver. Une fois que vous avez cette étoile, vous allez vite la perdre. Donc vous vous cachez dans un endroit, vous n'appelez pas Lester. Bah en tout cas je vous conseille pas d'appeler Lester. Vous vous cachez dans un coin. Là on va dire qu'avec les flics j'ai eu relativement de la chance. Vous allez voir qu'ils vont tous se stopper à côté de moi mais qu'ils vont pas me trouver. J'ai eu relativement de la chance. Mais bon c'est déjà pas mal. Donc vous semez bien les flics, vous mettez dans un coin. Donc ça c'est la partie qui est assez chiante. Après vous pouvez appeler Lester si vous voulez mais moi j'ai préféré ne pas l'appeler. Donc vous voyez que les flics sont juste à côté mais ils n'arrivent pas à venir vers moi. C'est un poteau qui m'a sauvé la vie on va dire. Et voilà. Donc une fois que vous avez semé les flics, vous allez tout simplement appeler Pegasus et faire livrer votre tank. Une fois que vous aurez fait livrer votre tank, vous allez aller le chercher et vous rendre au point de livraison, donc c'est-à-dire à la maison de chez Madrazo. Donc voilà, on va faire ça rapidement. Je vais faire une coupure parce que c'était relativement long. Parce qu'avec un tank, vous allez me dire, on n'avance pas très très vite. Et si jamais vous n'avez pas de tank, vous pouvez inviter un de vos amis qui aura un tank. Vous gagnerez la même somme à tous les deux. Et si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce glitch, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc tous les liens seront dans la description. Et pourquoi pas venir me rejoindre sur Twitter. Donc une fois que vous avez rejoint le point de livraison, c'est-à-dire à la maison de Madrazo, avec votre tank vous allez tout simplement détruire tout ce qu'il y a sur votre passage. C'est à dire que vous allez aller jusqu'à 5 étoiles. Vous allez tenir à peu près, je dis bien à peu près 5 minutes avec ces 5 étoiles. Donc vous les tenez très rapidement et très facilement avec un tank. Donc vous détruisez un peu tout ce qu'il y a. Vous les tenez facilement les 5 étoiles. Ils sont relativement chiantes et c'est assez long de les avoir. Mais après une fois que vous les avez, vous tuez un maximum de flics. Vous attendez bien d'avoir les 5 étoiles. Et une fois que vous avez les 5 étoiles, vous continuez à tuer les flics sans aucun problème. Vous tuez tout ce qui est hélicoptère, flics, etc. Vous ne vous inquiétez pas, vous démolissez tout sur votre passage. Et une fois qu'à peu près ces 5 minutes là avec 5 étoiles sont passées, vous allez tout simplement appeler Lester. Et une fois que vous aurez appelé Lester, vous demanderez qu'il efface votre indice de recherche. Et au moment où il efface votre indice de recherche, vous allez sortir du tank tout en même temps. Comme ça les flics ne vous repéreront pas parce qu'ils seront tout de suite à côté, étant donné que vous avez 5 étoiles. Et après vous allez vous diriger sur le point de la mission et vous allez terminer la mission. Donc moi pour la mission, vous avez vu que j'ai pas tenu 5 minutes, j'ai tenu 3 minutes, même pas, j'ai tenu 1 minute ou 2. De toute manière c'est en accéléré donc ça se voit pas vraiment. Là j'appelle Lester, j'appuie sur
A et j'appuie sur Y, je me rends dans la mission et quand je vais terminer la mission, vous allez voir que je vais gagner 15 000 $ et 5 200 RP, ce qui est juste énormissime. Mais plus vous allez tenir avec le temps, plus vous tiendrez les 5 étoiles, plus vous gagnerez d'RP en fin de mission. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.